Oh,
tous, merci de me recevoir chez vous. Un adolescent de 13 ans est porté disparu à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. Le petit Owen Ladislas Ombimba est porté disparu depuis le 6 septembre 2020, dimanche 6 septembre 2020. Donc, ça fait plus d'un mois qu'il a été enlevé à son domicile familial par une dame, la nommée Amandine Nianga Boubala, qui était allée le chercher, prétextant organiser un anniversaire. Depuis lors, l'enfant n'est pas retourné au domicile familial. La brigade de gendarmerie et quelques riverains ont essayé de ratisser tous les espaces où l'enfant est susceptible de se trouver, en vain. Il ne reste plus du petit OM Ladislas Ombimba que ce silence oppressant qui ressemble à la mort. Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, est le théâtre d'enlèvements à répétition, enlèvements d'enfants à des buts sacrificiels. Des jeunes sont communément enlevés et déportés vers des camps de dépeçage. Est-ce qu'il s'agit de ces phénomènes? Cet enfant aurait-il été victime de ces phénomènes? On n'en sait toujours pas grand-chose. Tout ce qu'on sait, c'est que le petit garçon avait été pris au domicile familial par la dame dénommée Amandine Boubala. Nous avons en direct de Libreville Juliette, la tante maternelle, la tante paternelle du petit Owen Ladislas. Bonjour. Bonjour, Monsieur Moulinda. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Oui, nous étions dimanche 6 septembre 2020, moi étant à Libreville, dans la soirée, je reçois un coup de fil de Port-Gentil. C'est ma fille qui m'appelle pour dire Owen a disparu. Je dis de quel Owen il s'agit. Owen, le fils de ton petit frère. Je dis comment ça? Il est chez sa mère? Non. La voisine de sa mère, qui s'appelle Nianga Boubala Amandine, épouse Marafou, avait ce jour envoyé ses enfants chez la maman du petit Ombimba Owen, demander l'enfant qu'elle voulait l'amener à un anniversaire. C'est comme ça la mère de l'enfant, du petit Ombimba, dit non. Mon fils ne bouge pas. Les enfants de Amandine sont rentrés chez eux. Quelque temps après, c'est elle-même, dame Nyanga Amandine, qui revient. Or, elle va amener l'enfant à un anniversaire. Elle fête l'anniversaire de son dernier enfant. La maman, toute naïve, accepte parce que c'est sa voisine. Ils se disent quand même bonjour. Ils sont à 2 ou 3 mètres, hein, les deux maisons. Et elle remet l'enfant. Depuis que l'enfant est parti jusqu'aujourd'hui. Le soir du même dimanche, c'est cette femme qui vient dire à l'autre que l'enfant a disparu. Elle ne voit pas l'enfant. La mère se dirige avec elle, là où ils étaient. C'est comme ça que la mère découvre que c'était même une fête organisée par une autre dame qui travaille à Total Gabon, agent aux ressources humaines de Total Gabon Port-Gentil. Cette dame s'appelle Milongu Aïs, puisqu'elle-même, elle a été à la gendarmerie et elle a été auditionnée. C'est comme ça qu'elle va dire que la fête a été organisée par elle. Mesdames Amandine n'avait jamais dit à la maman de l'enfant que l'anniversaire se passait au Cap Lopez, dans le bungalow de Total Gabon.
Tout ça, la maman de l'enfant découvre que donc ils sont même sortis, ils sont allés au pape dans un des bungalows de Total Gabon. Donc, Madame Amandine a d'abord menti. C'est pas, elle ne fêtait pas l'anniversaire de l'un de ses enfants. Et jusqu'alors, cette dame, soi-disant les gendarmes, il y a un camp à Port-Gentil qu'on appelle Camboiro, je crois que c'est la brigade nautique. Ils ont pris l'affaire. Les gendarmes qui faisaient l'enquête, lui-même était donc présent à la fête. C'est comme ça ils ont dit, oh, Madame Nyanga, Amandine, reste en garde à vue, là-bas au Camboiro. Tout ça se passe, la brigade centre n'est au courant de rien qu'il y a eu un enfant qui a disparu. Et finalement, le gendarme en question a fait a relâché Madame Amandine. Elle était chez elle, enfermée dans sa maison. C'est comme ça, avec la petite pression, pendant 3 jours, les gendarmes nautiques de la brigade nautique sont allés avec mon frère, tous nos frères qui sont à Port-Gentil, du côté du Cap. Parce qu'ils ont dit, il y a un enfant qui a couru en route, que eux-mêmes ils ne connaissent pas, mais c'est ce qu'ils ont dit dans leur audition. Que cet enfant a couru vers un maître nageur. Et c'est lui qui dit au maître nageur, mais il y a quelqu'un qui se noie. Le maître nageur, on ne le connaît pas. L'enfant en question, on ne le connaît pas. Eux-mêmes qui étaient à la fête n'arrivent pas à donner le nom du maître nageur ni de l'enfant. Donc pendant 3 jours, ils ont tourné comme ça dans le vide, alors que l'enquêteur lui-même, celui qui avait dit que c'est lui l'enquêteur, était à la cérémonie. Donc c'est comme ça, avec la pression, la brigade centre a été saisie du problème. C'est comme ça, le chef de la gendarmerie a donné maintenant l'affaire à son adjoint, un capitaine, moi je connais. C'est lui qui reprend maintenant l'enquête à zéro. On est déjà à près de 2 semaines. On veut mettre les affiches dans Port-Gentil. Le gendarme en question de la brigade nautique dit à mes frères que vous ne mettez pas, ou bien si vous mettez, ne mettez pas le nom de la dame qui avait pris l'enfant. Quand on m'appelle ici, je dis pourquoi? C'est un enfant qui n'a pas disparu parce qu'il était dans la rue. On a encore une chance. La dame est venue elle-même prendre l'enfant chez la mère de l'enfant. Donc, on monte, on descend, on n'est qu'avec cette dame. Elle connaît où elle a déposé l'enfant. Et c'est comme ça, le capitaine maintenant de la brigade centre prend l'affaire. Il reprend l'enquête. Or, depuis la brigade nautique, ils ont auditionné, il paraît qu'ils avaient des enfants. Tous les enfants sont venus dire, oh, il est tombé dans l'eau. Il a repris l'enquête. Parmi maintenant tous les enfants, il y a un qui a craqué, qui a dit, on n'était jamais allé à l'eau. On n'est pas arrivé à l'eau. Owen n'est pas dans l'eau, d'après ce que l'enfant a dit à la gendarmerie la deuxième fois. Le lendemain, cet enfant n'est plus à Port-Gentil. Quand ils repartent à la gendarmerie, et c'est comme ça que le capitaine a demandé, mais Madame Amandine est où en ce moment? Comment vous pouvez avoir un grand problème comme ça? Nous ici, la brigade centre ne connaît pas qu'il y a un problème d'un enfant qui a disparu. Et la dame est où? Allez-y me prendre la dame à la brigade nautique. Quitte à eux maintenant de dire non, elle est chez elle. Le gendarme qui a repris l'affaire a envoyé des gendarmes aller la récupérer. Elle était bien assise chez elle. Elle est revenue. C'est comme ça qu'ils ont commencé à la garder maintenant à la brigade centre. On est déjà presque à 1 mois, 3 semaines. Donc, l'affaire est maintenant partie au tribunal. Avant le tribunal, il devait avoir une confrontation entre la mère et la dame Amandine, d'après eux-mêmes les gendarmes.
Cette confrontation n'a jamais eu lieu. La mère de l'enfant allait à chaque fois qu'on l'appelait avec le père et mes frères, ils allaient. Il n'y a pas eu cette confrontation. Or, l'affaire va maintenant au tribunal. Quand ils vont au tribunal, le substitut du procureur dit, oh, l'enquête va continuer. La dame est déjà restée longtemps à garde à vue. Donc, on va la mettre dehors. Au tribunal, on n'a plus jamais parlé de l'enfant qui avait dit qu'ils ne se sont jamais lavés. Ce côté, ce volet, on n'a même plus parlé de ça. Et c'est comme ça, jusqu'à aujourd'hui, la dame est dehors, chez elle, et la mère de l'enfant, sa voisine, elle est aussi chez elle, sans enfant. Donc, nous sommes là, c'est un statu quo. On ne sait pas. Maintenant, le substitut du procureur a dit, oh, l'affaire va maintenant à l'instruction. Donc, il y a un juge d'instruction. Je ne sais pas si le juge d'instruction a commencé son travail. Mais ce que je sache, mon petit frère ne m'a pas dit qu'on les a déjà appelés au tribunal chez le juge d'instruction. Donc, jusqu'à aujourd'hui, l'enfant est toujours avec Amandine. Elle sait où elle a déposé le petit Omimba Owen. Et l'enfant qui avait dit qu'ils ne se sont jamais lavés n'est plus à Port-Gentil. D'après ce qu'elle avait dit, que l'enfant est tombé malade, l'enfant parle comme aujourd'hui, demain matin, l'enfant n'est plus, il est tombé malade, il a déjà voyagé pour venir sur Libreville. Et cette dame est chez elle, tranquille, avec ses enfants. Et quitte au procureur de dire à mon petit frère qu'on ne doit pas faire quelque chose à cette dame. Qu'on ne la touche pas. Donc, elle reste chez elle. On ne doit rien lui faire. Le juge d'instruction s'occupe de l'affaire. Jusque-là, nous sommes là comme ça. Il n'y a pas de suite. On va à 2 mois bientôt. Le 6 novembre, ça va faire 2 mois. Que le petit Ombimba Owen, la displace âgée de 13 ans qui allait en classe de troisième disparaît comme ça. Une dame qui vient la chercher, chercher l'enfant, et cette femme n'est pas punie, il y a rien on ne doit rien lui faire. Est-ce qu'entre-temps, on a parlé des découvertes macabres à Port-Gentil? Est-ce que la famille a déjà été appelée pour dire qu'on a retrouvé un corps quelque part à identifier, non? On avait retrouvé un corps, je crois, la troisième semaine. Mais après identification, c'était pas lui. Ça devait être aussi une autre personne qui avait été tuée. Un garçon ou une femme? Un garçon, mais pas lui. D'accord. Et le capitaine lui-même était. Parce qu'ils ont appelé mon petit frère. Et ils sont tous partis. On a vérifié et après ils ont amené le corps, ce corps à la morgue. La suite de ce corps, moi je ne connais pas. Mais c'était pas lui. Après identification, c'était pas lui. Est-ce qu'aujourd'hui, près de 2 mois après la disparition du petit Owen Ladislas Ombimba, est-ce que vous avez encore l'espoir, un brin d'espoir de le retrouver en vie? Ah vraiment, il n'y a que Dieu, hein. Parce que depuis, les annonces, les affiches, ce n'est pas leur problème. Puisque la dame n'a même pas été inquiétée. Moi, nous, vraiment, on se dit, il n'y a que Dieu maintenant. Il n'y a que Dieu. Parce que dans nos annonces, partout, les radios, les télévisions, on leur a dit déposer l'enfant quelque part. Déposer l'enfant quelque part. S'ils ne l'ont pas drogué, l'enfant peut se retrouver, même marcher à pied, il peut se retrouver. Arriver juste à un endroit où il y a un parent quand même qu'il connaît que, il y a mon parent, j'ai un parent là. Et même s'ils l'ont drogué, il le dépose quelque part, les passants quand même, quelqu'un peut ramasser cet enfant. Ok.
Merci pour ce témoignage. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Vous avez un mot à l'endroit de Bon, la justice, à l'endroit de la justice gabonaise? mais à l'endroit de la justice gabonaise, je dis ceci, que vraiment ils fassent réellement leur travail. Parce que l'affaire de mon neveu aujourd'hui, ça ressemble à une affaire, je ne sais pas, où c'est politique, ou parce que moi je me dis, la dame ne doit pas être à son premier coup. Donc c'est ce qu'elle fait. Et pourtant, la seule chance qu'on a eue quand même, qu'elle vienne elle-même prendre l'enfant devant sa mère. Parce que moi, je crois que elle avait déjà prémédité ça et que même en route, ils allaient kidnapper Owen. Mais Dieu est grand, Dieu a voulu que ça se passe autrement. Mais on demande à la justice de faire son travail. Comment nous, quand même, parents de cet enfant, on aimerait savoir et voir cette femme-là, nos fils, enfermés en prison jusqu'à ce que ils continuent à faire leur enquête. Mais elle est dehors chez elle. Et on nous dit à nous qui avons perdu l'enfant qu'elle est venue prendre que nous n'avons pas le droit de lui faire quelque chose. Ça voudrait dire déjà que la justice est de son côté. Parce qu'on ne comprend pas. Moi, je me dis, je n'ai pas fait droit, mais j'ai quand même un ou deux enfants, j'ai des parents qui ont fait droit. C'est une enquête qui n'allait même pas vraiment prendre même 3 jours. Il suffisait d'une pression. Mais je ne vous dis pas, les premiers jours que le bon monsieur gendarme disait que la dame était en garde à vue, elle n'était pas là-bas. Elle n'a jamais eu une pression. Parce que moi, je suis les enquêtes là à la télévision. La pression, c'est pas taper sur la personne. Elle n'a jamais. Allô? Voilà, des problèmes de liaison avec Libreville, mais au moins on a écouté Dame Juliette, la tante paternelle du petit Owen Ladislas Ombimba, porté disparu à Port-Gentil, la capitale économique, depuis le 6 septembre dernier, dimanche 6 septembre. Donc ça fera bientôt 2 mois que cet adolescent de 13 ans a été enlevé. On n'a pas de nouvelles de lui. L'enquête semble piétiner. Et quelque chose qui semble aussi bizarre dans cette affaire, c'est que la dame Amandine Boubalala a insisté, d'abord envoyé ses enfants pour aller appeler le petit garçon. La mère a opposé un refus. Et après, elle est allée elle-même prendre l'enfant, ce qui a rassuré un peu la mère. Et après, ce n'était même pas sa fête, parce que il a été question ici de la fête de quelqu'un d'autre. Alors pourquoi avoir dit que c'était la fête de son dernier enfant alors que c'était une autre femme qui organisait la fête? Rien que déjà par ce geste, la justice doit considérer cette dame-là comme suspect numéro un dans cette enquête, et elle doit être gardée sous main de justice, au besoin être placée en détention préventive en attendant l'aboutissement de l'enquête. La laisser en liberté serait comme donner une caution morale à cet acte qui a conduit à la disparition de l'enfant. C'est toujours comme ça au Gabon. La justice aide souvent certaines personnes sur lesquelles pèsent beaucoup de soupçons de responsabilité dans les crimes, aide donc ces personnes en les laissant donc en liberté. Rien que par ce geste-là, cette dame mérite d'être gardée sous main de justice, d'être placée en détention préventive en attendant que le voile soit levé sur cette affaire ténébreuse. Voilà donc comment va le Gabon. Je vous avais prévenu ici que les enlèvements allaient reprendre, et c'est reparti de plus belle. Vous avez écouté le témoignage de la tante du petit Owen qui disait qu'un autre corps avait été retrouvé à Port-Gentil. J'ai eu vent de cette information, et que ça, il s'agirait même d'un corps mutilé. Et là, c'est reparti pour d'autres crimes, étant donné que les sorciers qui sont à la tête du pays ont besoin du sang pour continuer de régner sur le Gabon. C'est fini pour l'actualité maintenant. On se retrouve un peu plus tard, si Dieu le veut, pour d'autres informations, parce que l'information continue sur Facebook et YouTube.
Thank you.